La première journée de la visite du général de Gaulle dans le Nord et le Pas-de-Calais a été principalement marquée par le discours qu'il a prononcé à l'issue de l'inauguration de la foire de Lille. Dans ce discours, le président de la République a pris exemple de ce qui avait été fait et de ce qui restait encore à faire dans cette région pour définir les grandes lignes des nouvelles structures économiques et administratives de la France. Et c'est devant 800 personnes attentives que le général de Gaulle a déclaré, notamment à ce sujet. Assurément, ce qui se fait dans le Nord et dans le Pas-de-Calais ne peut aller en dehors de ce qui s'accomplit à l'échelle nationale. C'est pourquoi notre pays, en se donnant récemment une organisation administrative et économique fondée sur une base régionale, sans renoncer, bien entendu, aux communes ni aux départements, notre pays entend que l'action nécessaire de l'État, de ses plans, de ses crédits, se conjugue étroitement avec les initiatives et les ressources locales dont le rôle est également essentiel. C'est pourquoi le gouvernement, ses services et ses conseils s'adaptent constamment à la tâche capitale de diriger le développement global et l'aménagement d'ensemble de la France. C'est pourquoi, dans l'avenir, quand l'évolution en cours en révélera l'opportunité, nous aurons sans doute à réunir en une assemblée unique des représentants des collectivités locales et des activités régionales à ceux des organismes, des grands organismes économiques et sociaux du pays, afin que cette assemblée délibère des questions de cette nature avant que l'Assemblée nationale, représentation politique, les tranche en votant les lois. Ce passage du discours du général de Gaulle a bien entendu aussitôt retenu l'attention des observateurs. Il y a là, dit-on, une idée force. Il y a la relance d'un problème qu'on pensait oublier, la création d'une grande assemblée d'intérêts économiques. Pourtant, on fait remarquer qu'il y a aussi la notion d'opportunité pour sa mise en valeur. Bref, le général de Gaulle ouvre un sujet de réflexion sur un débat qu'il considère comme important, déterminant pour l'expansion, l'avenir du pays. Voilà pourquoi il faut faire appel à tous les avis. Cet aspect politique évoqué, voyons maintenant comment s'est déroulée la journée du président de la République à Lille. Le général de Gaulle était arrivé en fin de matinée à Lille par avion. Visite nouveau style, comme on l'a dit, le chef de l'État ne parcourant pas le département, mais le président de la République, nu-tête et sans imperméable, malgré la pluie qui tombait avec force, reste fidèle à ses habitudes. Il se dirigeait vers la foule massée devant la préfecture, la foule qui l'acclamait pour serrer les mains tendues. Le général de Gaulle, au cours de cette première journée, était accompagné de deux ministres, messieurs Jox et Fray. Après quelques minutes passées à la préfecture, le président de la République se rendait au palais de la foire pour inaugurer cette foire de Lille 1966, dont le thème est précisément cette année l'aménagement du territoire. Merci bien. Pourquoi je ne pourrais pas entrer ? Merci, mademoiselle. Mon général, vous venez d'inaugurer la 41e foire de Lille. Le chef de l'État visitait de nombreux stands, s'arrêtant longuement aux stands de l'aménagement du territoire, à ceux des grandes industries, des houillères, de toutes les activités économiques de cette région bien située sur le plan géographique, mais qui exige un effort important de transformation. Sur une immense carte figurent les réalisations récentes et celles qui sont en projet, un vaste programme. Le début de l'après-midi était consacré à cette visite. Le chef de l'État devait ensuite présider dans un salon de la préfecture une réunion de la conférence administrative régionale et recevoir en audience des personnalités de la région, hommes politiques, élus locaux, chefs d'entreprise, syndicalistes. Ces audiences se poursuivront demain et lundi.
Comme l'a rappelé le général de Gaulle dans son discours, cette foire est un foyer d'émulation qui vaut à Lille la présence de beaucoup d'amis étrangers, notamment de Belges, qui impriment à nos entreprises une impulsion de bon aloi. Les grandes villes du Nord étaient également représentées, ici Calais, où le maire M. Vandroux accueillait le chef de l'État. Le chef de l'État s'arrêtait également au stand Usinor, complexe industriel important de la région de Dunkerque, que le général de Gaulle doit visiter lundi. La visite du général de Gaulle dans cette région du Nord et du Pas-de-Calais doit durer 4 jours. Le chef de l'État, demain, restera à Lille. Lundi, il se rendra à Dunkerque et à Calais. C'était Charles Finalteri et Jean Marquet qui vous ont parlé de Lille sur des images de Robert Priou et Jacques Hervé. À vous, Paris.